Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter le sac Mondial Backpack 2 de chez Bechat. C'est un sac qui est destiné à transporter tout le matériel de chasse ou d'apnée si vous en faites. Donc on peut voir sur le côté qu'il y a plusieurs attaches qui sont destinées à recevoir des fusils. Ici j'y installe un fusil de 75 cm, mais vous pouvez aussi très bien installer deux fusils, un de 100 et un de 75 par exemple, si vous aimez chasser avec deux longueurs de fusil. Donc les attaches sont pratiques, faciles à installer, faciles à enlever aussi. C'est vraiment assez efficace comme système et ils ne gênent pas du tout lors du transport puisqu'ils sont positionnés sur le côté. Le sac, il est fourni avec 4 attaches pour 2 fusils de chaque côté qui permettent vraiment de les maintenir bien en place. Vous pouvez ensuite le serrer avec des sangles qui sont clipsables et vous pouvez transporter du coup tout votre matériel. On a aussi une grande poche intérieure qui est destinée à loger la paire de palmes. Donc la longueur est suffisante pour toute paire de palmes d'apnée ou des palmes aussi un peu plus courtes. Et pour ma part, j'arrive à y caser à la fois mes palmes, ma combinaison assez fine, ainsi que mon masque et mon tuba. Donc ça, c'est une poche qui est ventilée, on le verra ensuite, puisque Bechat a décidé d'installer des grilles de ventilation sur les côtés, sur le bas du sac. Donc ça permet tout simplement à votre combi de sécher entre guillemets, ou du moins de pas rester dans l'humidité. Donc le sac a des fermetures qui sont bien solides, bien résistantes et qui sont doublées à chaque fois. Vous possédez aussi un filet, donc moi qui me permet de stocker mon matériel une fois qu'il est mouillé après une sortie. Donc je mets tout simplement mon masque, mon tuba, mais vous pouvez aussi très bien mettre votre combi et l'ajuster avec des sangles. Le sac possède aussi une fonctionnalité très intéressante, c'est-à-dire qu'il possède une poche isotherme où je mets une à deux bouteilles d'eau et des pains de glace pour transporter mon poisson, et en retour de chasse, j'arrive à mettre mon poisson dans une poche assez hermétique de manière à ce qu'il reste frais. Vous possédez aussi une sangle ajustable sur le torse pour pouvoir le régler à votre taille, et vous êtes prêt pour des longues parties de chasse.